lui dit, monsieur, il faut regarder. C'est un alerteur. Il est taillé. C'est comme une grande. Il est même pas mal. La confiance. La confiance. La confiance. Lui, va plus étonner. Ta position là, tu as lui, va lui dire rien. C'est pour tes choses. Il va te demander. C'est pas lui. Il ne sait rien, c'est rien. C'est une belle. Donne portable. Non, tu peux. C'est fini. Tu pètes, c'est fini. C'est fini. Partout. Lui va commencer maintenant à fouiller dans ta vie. Moi, on va le fouiller. Voilà. Et quand on veut plus confiance, commence à fouiller. Qui est derrière? On va le voir les messages. Tu as des cagales, tu te laver, tu fous dans ton portable. C'est quand on veut plus confiance, on fouille dans le portable. Quand tu as confiance, le portable, ça va te. Ça te dit rien. Donc, elle est chaude pour y rentrer parce qu'il manquait de sagesse. Vous avez appris par une dîme de Galoum. Si tu n'as pas été sérieux, tu n'as pas rien. Dites pas de prendre au Seigneur. Moi, je ne veux pas. Tout dépend de toi. C'est bon. C'est à toi de te prendre au Seigneur. Mon anglais, c'est bon. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Pour l'ornée, il a dit, attends, je suis prêt, ça a été sur ta joue. Qu'est-ce qui la met dehors? Elle lui parle de tout. C'est ça? Vous le maintenez à la maison.
Je pense que les gars. Pour ça, j'ai dit de laver vos bouches. Mais en disant, c'est dit. Mais les femmes, leurs bouches ne sont pas désarmées. On dit, il est. Moi, j'ai pas de laver les bouches à Timo. Les gars, les gars, vous parlez mal, là. C'est difficile d'avoir un mari. Et puis là, quoi, regardez les femmes qui ont un certain âge, ils sont dans leur maison, la famille. Regardez bien leurs bouches. Ah, bah, ils vont laver. Oui, non. Non, non, non. Moi, je te demande pardon, moi. Avec quoi? C'est moi, Satan. Tu vas mourir là. En fait, je vais mettre tout la chute là-dessus. Mais si elle n'a pas force. Malgré tout ce qu'elle a pas force, c'est elle. Elle va me mettre une chute. Elle va me mettre une chute. Elle va me force. C'est une chute. Elle va me mettre une. Amen. 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 Prends bien soin de l'homme. Je m'en ai dit, on a 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 dit, on pose pas. Il a dit, on Monsieur de Pain, qui t'a donné? Pourquoi poser une question? Ben, un tout. Ben, un grand témoin. Ok, on va me dire. Ok. C'est que tu n'as jamais donné Monsieur de Pain, comment? Il ne veut rien du tout. Rien. Non, oui. Mais pourquoi c'est lui, justement, qui doit toujours donner? C'est ça, c'est vrai, je t'aime un peu. Et chez elle, c'est le monsieur qui doit toujours donner. Moi, tu ne veux pas donner? Moi, non, rien. Les garçons, on se prend avec Chocoto, là. C'est pas chez ses 1000 francs. Oui, c'est ton mari. Mais tu es chez le là. Pourquoi tu vas aller avec des chilets dedans? Il va dire ça, il va dire ça. Dans la chambre, il va te déchirer, d'accord? Bien, oui. Amen. Amen. Tiens. Ça fait du bien. Non, oui, là. Comme l'homme, je suis avec des cadeaux, ça. Ça roule avec la bonne terre, oui. Ça fait du bien dans le foyer. Eh bien, alors, pour une amie. Amen. Amen. Est-ce qu'on va dire ceci? C'est bon, non, non. Parce que vous êtes un équipe bien ensemble. Alors, ça ne va pas cultiver l'amour. Allez, on veut ça. Oui. On vit ensemble qui a cultivé l'amour. Alors, ah, c'est l'enfer, on a cultivé l'amour. Ah, pardonner. Chercher les pas choquer l'autre. Il y a des questions qui demandent, ça va pas là. Il va éviter. Il y a tout ça qui est connu. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Il y a des choses qu'on peut éviter. Parce que la femme vient, son caractère a été éduqué dans une autre famille. Vous avez été éduqué dans une autre famille, c'est deux caractères ensemble. Vous avez deux caractères de pas marcher ensemble. Amen. Si toi, t'as un chaud, deux chants chauds. Pour une fois, couchez vous. Ma salle de la maison. Ils sont bien, ils ont posé ta chair. Ma chair, tu es bien avec vous. La vie. Amen. Pourquoi? Maintenant, il y a un fâchement dans la maison. Tu vas être mené par l'autre dans la maison. L'homme est orgueilleux, madame est orgueilleuse. Non, il y a quelqu'un qui ça se pousse. Même dans l'île, ça se pousse. Moi, je suis pas de qu'est-ce que vous avez dans le foyer? Il y a un temps pour payer. C'est ça le petit, vous avez envie de vous manger. Ni il y a un enfant. Et vous guettez, vous avez envie de vous manger. Non, il regarde, ah, Jésus n'est plus là. Moi, je suis bien. Ah, je prends mon mouton. Regarde, il attache. Tu le suis.
Le jour où tu vas plus t'entendre avec ta femme, il y a un problème dans le même lit. Oui, il y a un problème dans le lit. C'est fini. Il y a. Le diable en dessous. Parce qu'il a fini que le soleil ne se couche pas si tard. C'est pour ça qu'il faut dire. Eh, si tu es avec ta femme, prie ensemble. Amen. Même monsieur révèle, ah, révèle, vous allez prier. Faites l'effort. Même les enfants. Nous, si on n'a pas le temps de prier tous les jours ensemble, au moins deux jours dans la semaine, vous devez vous réunir pour prier ensemble. Mais monsieur, madame, elle est peut-être là où vous devez prier ensemble. Est-ce que ma mère est ainsi? Avant d'aller dans le lit, il faut être convaincu que madame n'a pas les choses pour toi. Et quand on a plus fait ça, et elle a dit, toi, on est vraiment pour nous. Et quand il veut y venir, c'est tellement simple, c'est la communication. Et à nous, à la ligne. La joie, les femmes n'aiment pas parler. Les femmes n'aiment pas parler. Elles ont fini à garder. On doit régler. Quand ça va régler sur toi, c'est dangereux. Donc, il y a une manière. Les femmes ont une manière de régler. Où est-ce qu'elle est dans le ça, tu viens, elle a une manière de faire toi. Quand tu vas t'approcher d'elle. Généralement, l'homme est trop orgueilleux. Oh, parce que c'est la femme qui doit tout faire toujours. Oh, bah, moi, non, non. Amen. Celui qui doit manifester plus d'amour, c'est l'homme. Oh, voir, d'accord. Qui va faire son ami pour dire je t'aime? Hein? Moi, même si ça a changé aujourd'hui, les femmes viennent, mais c'est l'homme. Oh, moi, hein? Amen. C'est que la Bible dit à l'homme, homme, oh, et. Ta femme. Oh, il y a quoi le moment de nous? Et ta femme. Oh, non. Tu ne dois pas venir du travail, la femme est là-bas, l'autre est là-bas. Non. Dès que tu rentres, toi et ta femme, vous êtes ensemble. Oui, moi, et ta femme. Quand ta femme, vous parlez. Ah, toi, j'avais la vision. André, un dictateur. Mais là. Monsieur est rentré, madame, ne parle plus. Moi, oui. Moi, pas. Et son poids, lui, est là. Il sent plus les télés, il est là, il est là. Celui qui a appelé le commandement. Personne ne doit aller à la télévision. Oh, je pas, non. Vous avez peur. Les gars, tu les femmes ont appris les commandes, c'est juste qu'elles sont dans la mer. Moi, je vais vous dire, c'est dangereux. Amen. Vous communiquez avec ta femme. Les gars, allez, si tu ne fais pas ça, c'est dangereux. Et nous, dans le foyer, vous devez la communication. Vous devez quoi? Tu rentres. Quand tu regardes ta femme, son aspect peut te dire qu'il y a problème ou qu'il n'y a pas problème. Oui, son aspect, quand tu la regardes, tu dis qu'il y a problème. On va régler ça devant les enfants. Oui, à toi-même, non. Mais après, la marche. Et généralement, quand tu sais qu'elle femme a quelque chose, pour acheter un petit cadeau. Parce qu'il a dit que le cadeau gagne le cœur du roi. Amen. Les présents gagnent le cœur du roi. Mais qu'elle est bonne. Les petits choses, ne blaguez pas. Vous êtes pour le cadeau, n'y est. Parce que la femme du roi, elle peut pour elle déjà te tuer. On lui veut dire, on lui veut dire, il peut être dit, on dirait diable. Si elle veut te tuer, elle va te tuer. Encore un diable, c'est la même chose que j'ai dit, c'est la même. C'est fini, c'est bon. Donc, tu as quelque chose à mettre, tu peux te gâter. Donc, quand donc, c'est toi qui vas bien prendre ça. Donc, vous n'êtes pas là. Quand ça devient mauvais, ça te calme. Quand c'est bon, ça t'arrange. Donc, si tu vois son aspect, c'est un peu bizarre. Et quand tu dois faire, tu achètes un petit truc. Ou même, tu as un billet de 2000. Et quand tu as un soir, tu as un tu dis, je voulais acheter quelque chose pour toi, mais il n'y a pas là. Ce n'est pas la règle qu'on porte. Acheter quelque chose de même. Tu as un sourire à sortir. Forcé. C'est des sourires bizarres. On le dit bien. Amen. Et quand le sourire sort, dis-lui, je t'aime. Quand tu fais sortir ça, il dit, il y a quoi? Oh, tu as ouvert le robinet. Elle va parler, parler, et désarmer. On lui, où ça? Amen. Amen. Elle va désarmer tout de suite. On y va, Samy. Tu n'as pas gagné? Oui. Tu as dit ça va, tu as raison. Il faut toujours dire la raison.
Non, mais c'est vrai, tu as raison. Amen. Ça fait quoi si tu dis ça à sa femme? Les gens n'arrivent pas, c'est des orgueilleux. Non. Quoi, rien. Ta femme, c'est ta femme. Il y a le mort, c'est mort. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. C'est ce que la Bible dit. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Non, mais non. Celui qui veut être meilleur soit le serviteur. Oh non. Si tu veux mettre votre serviteur, mais comme le grand servir, oh non. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Voilà. La femme, vous voyez ici, elle est une bénédiction. On m'a bien saisi? Amen. Elle est une bénédiction. Moi, je vous parle. Prenez soin d'elle. D'accord. Il faut communier avec sa femme. Sa communication. Amen. Elle est là pour parler ensemble. Après, elle est là pour parler ensemble. Avec Dieu. 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 Amen. Amen. Tu veux créer ça, le moment de joie. Amen. Amen. Est-ce que quand vous avez raté un foyer, la force de l'enfer s'est grandement ouverte comme ça. Et vous connaissez la plus grande maladie, c'est la déception. Tu fais personne, tu ne peux pas comprendre la question. Hein? Personne. Et puis là, tu dis ça, la vie là, c'est bon. Et puis là, la dépravation commence à caractériser ta vie. Tu sois maintenant, les gens ne te les aiment pas, mais tu as mis des satisfaits quelque chose, tu vas. Donc, vous devez faire un effort. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie. Quoi, je vous enseigne comment entretenir un foyer. Mais quel est d'accord à l'idée. Ça, c'est très important. Et puis, un certain âge, tu ne peux pas avoir marié. Je vais femme qui a 4, 5 enfants. À moins que ça soit un miracle de Jésus. Comme le miracle est possible à Jésus. C'est possible. Ça me dit 4. Il a fait 3 fois. Mais l'homme là, il a 10 dans sa tête. Vous avez voir là. C'est les femmes on blâme facilement. La femme est croit facilement. L'homme est différent de la femme. Je voudrais que le diable allait vers la femme la blague. Non, l'homme va dire. Hein, c'est vrai. Il t'a dit. Amen. Il réfléchit. Femme est quoi déjà? Moi, amen. Faites un effort, priez Dieu. Après la vie, la vie. Préparez dans vos jeunesses. Amen. Qu'on ne veut pas cacher vos jeunesses. Moi, dis. Qu'on ne veut pas cacher ça. Parce que la femme est un bonheur. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est le bonheur là qui est. Et quand tu vas dans un foyer, tout un problème. Tout un problème. On va donner à l'autre. On m'a bien saisi. Amen. Que Dieu vous accorde la paix dans votre foyer. Dis amen. Amen. Et que vos cœurs soient désarmés. Amen. Amen. Et que vos cœurs soient désarmés. Amen. Que votre esprit soit désarmé. Amen. Que l'esprit soit désarmé, vous pouvez désarmer. Amen. Demandez bien les femmes âgées qui sont dans les maisons. Dans les... Oui, non, elles ont les cochons de marier. Vous voulez qu'à vous dire. Faites la même chose. Vous voyez que la personne, chaque fois l'homme qui dira, c'est comme la femme qui dira son père et sa mère. Quand la femme est quittée dans la famille, c'est une malédiction. Mais c'est quoi vous amen. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Une personne qui ne dit pas ça, c'est qu'elle n'a pas vécu le bonheur sur la terre. Amen. Amen. C'est qu'elle n'a pas vécu le bonheur sur la terre. L'homme qui dira son père et ta mère, ça passera son devenir notre cher. Pour toi, tu es dans la famille, en famille, en famille. Et tant que tu seras en famille, Dieu ne va jamais te visiter. Regardez ce que Dieu a béni. Imagine très bien. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, Abraham sort de sa patrie, sort. La maison de tes pères. Tu veux t'indiquer un Dieu. Mais quand Abraham est parti, que Dieu l'a béni. Et vous avez vu la question sur Joseph. Et quand Joseph est sorti, qu'il est parti ailleurs que Dieu l'a béni. N'est-ce pas?
Un certain âge pour que Dieu sorte. Même un jeune homme. Mais bon. Vous vous êtes ici, remarquez les choses. Peu importe. Le monsieur à la maison est jeune homme. Tu allais lui donner mon autre enfant, il m'a fait ça. Mais le papa nourrit, tu t'enseignes, tu dis papa, tu me vois, voilà le papa des gens. Comment tu vas devenir? D'accord, je lui dis, tu quitteras. Au moment tu vas faire un enfant, le monsieur te lève, pendant que j'ai ta famille là-bas, tu fais un enfant avec toi. Là-bas, tu mets sous la malédiction. Comment tu dis, c'est biblique? Rien de la vie, donc il t'a pour le gâteau. Pour le gâteau. Amen. J'ai dit aux gens, prenez l'exemple ici, tout terre à terre. Nos frères Goulard. Goulard, papa, un enfant, c'est pour le Goulard. On peut lui dire, non, ça va pas pour le Goulard. On va acheter 5 enfants. Bénédiction à les enfants, on va être ensemble. Si c'est les parents qui marient les enfants. Tu vois, on va monsieur, d'accord. Tu prends sa femme, sans sa fille. Il a payé le problème. Ceux qui vont descendre, les enfants seront intelligents. Le petit, tu l'as pas précarié, il devient champion dedans. On n'a jamais fait Mercedes devant lui, mais fabrique Mercedes. Où il a appris ça? La bénédiction. Il n'est pas venu comme ça. Avant de venir, papa au courant, grand-père au courant, grand-mère au courant. Mais ici, avant d'être au courant, on a déjà fait 4. Mon cher. Qui m'a dit ça? Il va venir un jour. Il y a un fils qui m'a dit, j'ai eu 3 enfants de monsieur. Premier, il est venu m'enceinte, il m'a blagué. On y est quoi, femme? Il y est quoi? Deuxième. J'ai 3 enfants. J'ai dit, mais tu es bête. Il est un bon homme. Eh bien, regarde. Il dit, mais tu es bête. Tu me disais qu'il est blague. Il m'a dit que non. Tu peux comprendre. Comment on dit ça, accident? On est à bon port. Dieu, c'est plus accident. Il dit qu'il y a trois qui est venu là. Et non, il vient. Qu'est-ce que tu veux en faire? J'ai dit que tu es bête. Mais toi, tu sais, qu'on te blague. Il m'a dit que non. Tu es convaincu qu'il est en train de te blaguer. Il m'a dit que non. Il ne dit pas de ça. C'est bien, oui, oui. Il dit, mais ton Dieu, c'est bien, c'est toi. Vous êtes dégoué l'esprit de bête. Mais tu es convaincu? Ah non, pas, il est venu. Et puis il vient. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Mais là, pour le sec, là, c'est lui. Puis il dit, mais c'est l'esprit de bête. Il est venu. Il est venu. Yeah.
nous assoir, que Dieu bénisse. Amen. Si y a quelqu'un que Dieu te bénisse, il y a quelqu'un. Ne descends pas, il y a quelqu'un. Alléluia. Vous savez, dans la délivrance, dis Dieu, oui. On nous parle de délivrer, délier. Dis, et Dieu dit. De libérer quelque chose. Nous prenons la Bible. Dans le livre de Luc. Le chapitre 13. À partir du verset 10. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Montez la vie, montez la vie. Je sais que la vie, montez. Je sais que la vie. Je sais que la vie est vraie. Elle est là. Les cartons de dans la bio. Je vais dire merci à Edith. Merci pour la Bible. Je passerai chez Annick Angré pour prendre les deux cartons de Bible. Il y a une soeur qui vit en France, à Paris, qui m'a envoyé deux cartons de Bible. Oh, c'est la même. Pour vous dormir. Ah, oui. Moi, ma prière. Oh, la Bible. Après ma paix. Voilà. Je demande toujours. Pensez à ceux d'ici. Voilà, je leur ai dit, vous, la vie ne comptez plus là. Nous, on prend le 20 janvier. Vous prenez, vous dites, fais sport. Nous, on descend, là. Au sport, là, avec là. Nous, on prend le 20 janvier. C'est bon, c'est le 20 janvier. Non, mais pas sport. Tu as monté colline de Zarago. C'est sport, c'est lui. Le sport, c'est lui. Donc, merci. Amen. Quand vous venez ici, la pensée à celui-ci. Voilà, donc en semaine, on aura l'occasion d'avoir les vivres et de expliquer aux gens. Amen. Si il y a une façon de faire la semaine avec vous. Je crois que c'est intéressant quand je vais tous les matins avec vous. Je vais venir, amen. Voilà, je vais consacrer mon temps, amen. C'est important. Lâcher un peu, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Il faut qu'on vous aide. Alléluia. Donc, il y aura des vivres. Je vous conseille d'acheter des Bibles. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est notre boussole. Amen. Nous ne voyons pas la Bible à la maison. De toute façon, tu cours derrière ton table, c'est clair. Nous ne voyons pas la Bible. Quand tu enseignes, tu n'as pas peur. Fais-nous le confier à la maison. On n'oublie pas la Bible. La parole est le repos de prière. Moi, mes portables, vous voyez, même la tablette, là, il y a Bible partout, j'ai les versions de Bible dedans. Malgré les femmes, j'ai ma Bible avec moi. Oh, oui, mais c'est la Bible. Amen. Que le livre, la loi, de ses loin, point d'état. Vous pouvez me dire ça, Jésus, non? Le verset 8. Jésus, c'est le Nouveau Testament. Écoutez très bien. Jésus, c'est après d'être le nom. Non, l'Ancien Testament. Il y a Genèse, voilà. L'Ancien Testament. Genèse, qui mettait la Bible Genèse, après Genèse, Exode, les noms d'être le nom, Jésus. Il y a des choses que vous connaissez. Amen. Vous pouvez maîtriser ça facilement. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras. Car c'est alors que tu auras du succès. Du succès. Dans tes entreprises, les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est alors que tu réussiras.
Donc ta bénédiction, ton succès dépend de ça. Je sais que tu ne vas pas trouver la parole de Dieu. On dit amen. Amen. Tu ne trouves pas la parole de Dieu. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus qui habite? Et moi, je l'ai vu. Mon mari dit même, tu n'as jamais donné pas. Ça quoi? Jésus est Jésus la parole, mais. Vous savez ça? Hein? Et vous, je fais ça? Là, quoi, je amen. Ne jouez pas la parole, monsieur. Ah, mais bon, je vais alléluia. Amen. C'est vrai, pour la voir, il faut méditer, il faut lire la Bible. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Ouais, il y a des gens qui viennent ici, on délivre leur enfant. Il y a parlé ça hier. Alors, on délivre leur enfant. Et puis eux, ils marchent comme ils veulent. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. La la vie, oui. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, la présentation demeure. La Bible même dit. C'est quand tu verras la parole de Dieu en pratique, que tu auras du succès, même dans l'entreprise. Pas ça, c'est un délivré. Paix, vas-y, c'est mieux pour vous. Amen. Sinon, on a prié pour moi, sorcier, à parler de vous. Les prix, et bien, tu te bénédis. Les prix, tout le monde. Tu n'as pas de poubelle. Que vous priez, vous pouvez. Ça ne passe pas devant tes yeux pour les yeux. Ok, il veut le goût. Envoyez, 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 Dieu dit dans ton corps. Il dit, sors, non, 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 donc, il y a des choses qui provoquent deux choses. Oui, il y a des péchés qui apportent d'autres péchés. C'est-à-dire que la Bible dit que vous n'ignorez pas. Un péché sur la débauche. Quand tu as commencé à tirer dessus, tu as commencé à faire assez de dégâts. Et les oui, c'est bon. Quelqu'un vient de délivrer. Comme lutte dans le péché. Donc, il ne sera pas visité par l'esprit de Dieu. Il ne sera pas béni par l'esprit par Dieu. Il ne bénit pas tout le monde. C'est lui qui t'a délivré. Maintenant, pour rentrer dans l'accomplissement de tes promesses, la parole est dans ton camp. Amen. Il t'a délivré. Ouais, béni maintenant. Et béni par les mains de toi. Mais mon Dieu. Je te dis amen. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Je vais faire la lecture. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Comme le même du sabbat. Or, il avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. La parole. Et lui dit, femme, tu es délivré. Tu es délivré. Amen. Amen. Non, c'est possible. Tu es délivré de ton infirmité. Il poussa les mains, il posa les mains sur elle. Posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Elle se redressa. Et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison, un jour de sabbat. Les gens sont venus prêts à Jésus. Mon petit miracle, comment expliquer ça? Dis à la foule. Dis à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes. Hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mâchoire pour le mener voir? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il avait, qu'il faisait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lui, n'est pas un disciple de Jésus, n'a pas été disciple de Jésus. Lui, on a dit, un des fils spirituels de Pierre. On a bien dit, nous. T'as compris? C'est Pierre, Clément, c'est un alphabète. Et c'est lui qui écrivait. Moi, j'ai un peu de lui qui écrit avec la bouche. Moi, j'ai un africain, un quoi? Un médecin? Voilà. Donc il a écrit les dix de Pierre, et plutôt les disciples. Ce livre de Pierre, de lui, nous parle des œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus. C'est pour ça que vous avez remarqué la plupart des films de Jésus-Christ, vous retrouvez ça dans le livre de Luc. C'est la plupart des livres de Luc qu'on utilise. L'évangile des gens nous met en accent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que chaque évangile nous donne un message. Amen. Mais regardez Jésus-Christ, son parcours jusqu'à terre, après le mouvement de retraite, d'évangélisation, quand tu rentres à la synagogue, quand tu rentres au temple, et pendant qu'il prêchait, il constate qu'une femme a un problème de possession. Une femme est possédée, étant même à l'église. C'est ça le problème. Elle est possédée étant à l'église. Et chose bizarre, c'est qu'elle a trouvé. Elle a trouvé. Elle a trouvé. Aujourd'hui, c'est que dans nos églises, beaucoup sont ceux qui sont possédés, qui ont des esprits, malgré qu'ils soient à l'église, ils ont des esprits, ils ont des démons, ils sont même courbés, ils n'ont plus accès au ciel, ils sont frappés d'un problème d'infinité, de fausse. Il y a ces infinités spirituelles dans la vie de l'homme. Ils sont à l'église. Ils sont appelés les infinités. Ils n'ont plus la seule ciel. Ils ont l'impression qu'ils même sont en église. Ils ne portent plus. Leur prière ne monte plus au ciel. Ils prient. Rien ne bouge. Le sorcier assis sur lui. Malgré ses prières, rien ne bouge. Malgré sa fidélité dans une église, il est constamment à l'église. Pas de changement. C'est comme ça, cette femme. Et Jésus a précisé qu'elle était fille d'Abraham. C'est-à-dire qu'elle était chrétienne. Elle n'avait pas l'héritage d'Abraham. C'est comme toi, chrétien engagé. Mais tu as fait une infinité. Tu es un démon dans ta vie. On peut aller à l'église. Et puis avoir des démons. On peut avoir encore à l'église. Être contrôlé par la force occulte. Être contrôlé par les démons. Amen. C'est comme ça cette femme. Bien que soit la fille d'Abraham. Chrétienne engagée. Et chrétienne engagée. Qui assistait à des réunions. Mais elle était en une infinité. Elle était possédée. Rien ne bougeait. C'est l'infinité spirituelle. Rien ne bouge dans ta vie. Tu viens de chanter chorale. Pas c'est une réalité. C'est pour ça que ta vie ne bouge pas. Tu es toujours statu quo. Rien ne bouge dans ta vie. Tu prends communion. Rien ne bouge dans ta vie. Tu es possédé. Les démons assis à ta vie. C'était comme l'histoire de cette femme. L'histoire de cette femme. Fille d'Abraham. Moi, la fille chrétienne de nos jours. Chrétienne engagée. Il avait un problème. C'est comme toi aujourd'hui. Tu fréquentes l'église. Tu es à l'église. Tu as un problème. Regarde ce que tu vis. C'est pas normal cette vie. C'est pas normal. Tu es bloqué quelque part. Tu es coupé quelque part. Tu ne peux pas avoir un mari. Tu es frappé de la stérilité. Tu es
La pauvreté caractérise ta vie. J'ai l'impression que tout se dégrade autour de toi. Tout ce qui te touche, ça te garde. Malgré ta fidélité dans une église, tout est bloqué. C'est une forme d'intimité spirituelle. Il te faut Jésus, ce n'est jamais. Il te faut Jésus. Amen. 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 Les bons enseignements que recevait cette femme. Enseigné dans la synagogue. La loi. Parler ce matin, elle dit à 6 heures du matin, elle dit oui, ok, elle va couler les larmes. On vit, elle veut que l'église pentecôtiste, comme moi, dans mes ans, elle va voir son pasteur. Oui, je constate que mes enfants sont sorciers. On va venir à l'église, on va les envoyer quelque part, on va les délivrer. On va les délivrer. C'est quoi? Il dit, moi, je ne vais pas délivrer. Amen, non, mais, non, mais. Avant ah ouais, elle quelque part. Je ne suis pas chez moi ici. Allons-y. Et c'est comme ça. Laissez. Tu as un problème. Et quand on y va, on annonce l'évangile. On le fait. Quand tu as un problème, mais il les mains de qui met toi. Elle était dans l'église, elle dit qu'elle était. Elle était possédée d'un corps. On enseignait très bien dans le pays, mais on ne pouvait pas l'aider à chasser ces démons. C'est ça le problème. Tu écoutes très bien la parole de Dieu. On t'assied très bien la parole de Dieu. On ne peut pas te délivrer. Quand tu t'approches, dis non, j'ai pas le temps. On ne peut pas t'aider. Ils savent bien. Et rien ne bouge dans ta main. Ils savent très bien. Ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. C'est une église traditionnelle. Une église sans vie. On ne pouvait pas. Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la délivrance opère. Et comme Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. Il est rentré, pendant qu'il prêchait, il a même pas vu le problème de ses pas. Pendant qu'il prêchait, il constate qu'elle n'a jamais été aidée. Même par les pasteurs de cette église. Même par les pasteurs de cette église. Il regarde. Il va. On va sortir de cette église. C'est bien. Amen. 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 Non, ici c'est la parole.
il a un problème. La parole seule ne suffit pas. Pardon, j'ai été. C'est ça que c'est pas. Mais elle avait les doctrines. Un grand docteur de la loi. Les gens qui avaient la révélation. Les docteurs de la loi. Faut enseigner le plus grand. Donne-lui l'enseignement qu'il y a. Il va retourner dans son péché. Les femmes qui ont possédé la sirène des autres. Marie ne pêche pas. Toutes sortes de choses. L'esprit, elle va toujours retourner. Elle est possédée. Les gens sont contrôlés par les démons. Et on est qu'il doit changer les personnes. Dis amen. Quand on parle l'église en principe, l'église doit être transformée. L'église doit être en mesure de changer ta vie. Et la femme me pose la question, je fais comment elle dit, l'église ne change pas. Change. Moi, je ne suis pas lié à ça. Je suis lié à Jésus. J'ai dit moi. Dis amen. Je suis lié à Jésus. J'ai dit moi la même chose. Pas une communauté. Par où il est où? Je suis lié à Jésus. Je l'ai dit, vous. Parce que quand je fréquente une communauté, je ne peux pas me montrer qu'il est là-bas. Et là, pas il est là-bas. Okay. Je dois être délivré. Les gens doivent être en mesure de détecter le problème. Quand Jésus est venu, il a détecté le problème là-bas. C'est bizarre. Les gens, tu me dis pas rien, c'est moi qui dois être aidé. On demandait sa dîme. Oui, c'est ça qui les intéresse. Bouffer la dîme là-bas. Mais la délivrer, ça les intéresse. Donc, on dit, je ne veux pas délivrer. Quand Jésus a commencé à délivrer cette femme, même Jésus, c'est la même qui va commencer à parler. Et c'est la même. Je vais vous dire, vous courez derrière le miracle. Vous partez là-bas, c'est le miracle. Il y a des oh, le magicien, magicien. Moi, je veux dire, bon. Attends, c'est magique, il n'y a plus de temps. Même Jésus, quoi. Ils n'ont pas l'onction. Amen. L'église doit être en mesure de te délivrer. Jésus a prêché la parole. Je dis constate qu'une femme est là. Oh, bien, elle a été aidée pendant 18 années. Oui. Non, mais. Sa vie n'a pas changé. Pendant 18 années, elle a trouvé. Elle a marché au ciel. Parce qu'il y avait les démons. La sorcellerie. Elle a bloqué. La sorcellerie t'a bloqué. Tu ne peux plus avoir accès à ton mariage. Elle t'a trouvé. Je ne peux plus avancer. La stérilité t'a fermé. Les choses sont fermées. Ils ont bloqué toute ta vie. Jésus est rentré. Jésus dit. Il dit parle. Aujourd'hui même. Dis amen. Je te délivre. Et te dis. Dis amen. Dis amen. Alléluia. L'église doit être en mesure de te délivrer. L'église qui est bloquée. La sorcière fait que tu ne peux plus avancer. Tout est bloqué en ta vie. Alors quand tu es quelque part, tu dois le démontrer à plus qu'il est dans ce Dieu. Par les signes. Pour la délivrance. Il faut être libéré. Ainsi à ta bénédiction. Elle n'est pas bloquée par le ciel. Elle n'est pas bloquée par le ciel. Jamais la vie le ciel. Bloquée. Ça fait pitié. Il y a des gens qui ont fait l'église dans les pays. Ils n'ont pas accès au ciel. Ils n'ont pas accès aux bénédictions. Ils n'ont pas accès à la sécurité. Vous n'y faites confiance à la base de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. D'accord, on est bon. Une maison est éclairée. Quand vous mangez qui, on est prêt pour manger. Comment on ne peut pas t'aider. Jésus a détecté son problème. Oui, il parle. Un moment, sois délivré de ton esprit. Amen. Amen. Jésus va te délivrer aujourd'hui. Amen. Amen. Que tu sois délivré. Qui a pris le célibat. Sois délivré de l'esprit de la stérilité. Sois délivré de l'esprit de la maladie. Tout ce que le diable a envoyé dans ta vie. Jésus va te délivrer de cette prison spirituelle. Nous allons vous en prier. Parce que Jésus a décidé de te délivrer. Là où il y a Jésus-Christ, il y a la délivrance. Là où il y a Jésus-Christ, il y a la délivrance. Il va te délivrer de la pauvreté. Il va te délivrer de la misère. Il va te délivrer de la maladie. Il va te délivrer de la paralysie. Au nom de Jésus. Lorsque cette femme a rencontré Jésus, en quelques minutes, Jésus-Christ l'a délivré. Tu vas lever la main. Tu vas parler sérieusement, je dis ça.
lui dit, premièrement, ne compte que sur lui. Et gouvernement, les délégats sont fixés sur lui. Il n'y a que lui seul, il n'y a que lui seul, moi, il n'y a que lui seul, moi, il y a le clé de miracle. Tu dois lui demander d'agir. Il n'y a pas de monde dans ta vie. Tu vas demander à Jésus de se manifester. Tu vas lui demander d'agir. Et non, Jésus est présent. Jésus connaît. Il faut qu'il change ta vie. Il faut qu'il te délivre. Et il faut qu'il te délivre. Mais non! Ton père. On nous la bouche en prie.